Non, on le voyait surtout à la danse. Il avait l'air bien. La danse, c'est ce qui le rend le plus heureux, en fait. Il était bien avec nous. On parlait de ce qui se passait dans nos vies, de notre quotidien. C'est peut-être pour ça qu'on faisait moins attention à tout ce qui se passait en dehors. Avec les filles, on avait vu tourner les photos sur les réseaux. On pensait que c'était qu'une passe avec les gens de la classe, que ça allait se calmer, mais ça a empiré. Les insultes devenaient de plus en plus violentes, c'était même devenu physique. On voulait pas être complice de ça. On en avait marre d'être spectatrice. On savait pas trop s'il fallait intervenir. Mais à un moment, il fallait dire stop. Le harcèlement se subit au quotidien. À nous de casser la routine.